Salut, donc je vais vous présenter un petit peu plus en détail donc une guitare Washburn modèle signature. Donc c'est le modèle Steve Stevens signature. Voilà, donc la référence c'est la Washburn SS40 qui date du milieu des années 90. 93, 94. Donc elle est équipée de mécaniques dorées, donc c'est des mini grooveurs qui sont vraiment très précises. Voilà, donc tous les castillages est donc doré. Le manche, comme vous pouvez l'apercevoir, est équipé d'une touche en érable. Les frettes sont des frettes medium jumbo. Voilà. Le manche est relativement fin. Un manche qui s'apparente pas mal à une Fender Stratocaster. Voilà, donc ça peut pas mal se rapprocher des manches de Fender Stratocaster moderne C, quoi, donc fort assez moderne. Vous avez également un vibrato copie Floyd Rose, licence Floyd Rose, fabriqué au Japon par Takeshi. Donc c'est le TRS-101 à la base. Là il est estampillé à la marque Washburn, mais voilà, c'est fabriqué par Takeshi, c'est exactement le même que le TRS-101. D'ailleurs, sur le bloc en laiton à l'intérieur, on peut voir l'inscription Takeshi. Voilà. Donc, conception assez simple, deux micros, un seul potard de volume, pas de tonalité, et puis on a un sélecteur trois positions, comme sur une Gibson Les Paul. Une guitare très simple. Le réglage du truss rod se trouve donc à cet endroit-là. Donc on ne le règle pas à l'extrémité du manche, mais un petit peu comme sur les guitares Musicman. Les micros donc sont un petit peu comme sur les Kramer Barretta, donc ce sont des micros qui sont un petit peu inclinés par rapport à l'angle des cordes. Voilà, et j'ai remplacé ces deux micros par les deux micros d'origine Washburn par des Seymour Duncan, donc un SH4 Jeff Beck en aigu et puis un 59 en grave. Voilà, pour avoir un son un petit peu paf vintage, un son un petit peu gibsonien Les Paul pour les solos saturé. C'est une guitare qui est très résonante, à vide. Très brillante. Voilà, donc la particularité aussi c'est de ne pas avoir de trous de percement pour les vis pour fixer une plaque de cache-ressort. Donc voilà, c'est un petit peu l'esprit Eddie Van Halen, dans le sens où sur sa guitare Frankenstrat, bah, vous ne trouverez pas de plaque de protection à ma connaissance. Donc c'est un petit peu dans cet état d'esprit. Donc il n'y a pas de plaque de cache ressort, mais c'est voulu. Donc il n'y a même pas de comment dire, de percement pour mettre les vis et mettre une plaque. Voilà, donc, c'est conçu comme ça. Cette guitare a été fabriquée en Corée par Samick, à ma connaissance. Il fabriquait également les bonnes guitares Washburn N2 modèle signature Nuno Bettencourt. Voilà. Donc le modèle signature Steve Stevens est beaucoup moins connu parce qu'il a été fabriqué qu'un an ou deux ans, à ma connaissance. Voilà, bon, la réputation de
de Nuno Betancourt étant beaucoup plus importante à l'époque que Steve Stevens. Donc, ce sont des guitares qui se sont un peu moins vendues que les N2. Donc, voilà, elles sont maintenant devenues très rares. Voilà, ce qu'on peut avoir vraiment de plus sympa par rapport à la N2 qu'on trouve un petit peu partout maintenant, ce sont ces mécaniques Grover, Mini Grover, et puis cet accastillage doré au niveau des mécaniques, au niveau du vibrato, qui est vraiment très sympa, et puis également la touche érable qui est vraiment, vraiment superbe, juste vernis, vraiment, on a vraiment quelque chose de bien. Voilà, maintenant je vais vous la faire écouter avec une petite composition que j'ai enregistré rapidement, voilà, pour vous faire découvrir les sons. Donc, le son saturé rythmique a été fait sur le micro aigu. Les sons solo ont été réalisés une première partie avec le micro aigu, et puis vers la fin du morceau, en deuxième partie, vous pourrez entendre le micro grave 59. Sur tout le long du morceau, vous avez également des sons clairs avec un petit chorus. Donc, les sons clairs sont réalisés avec la position milieu, c'est-à-dire les deux micros en même temps, pour donner un son un petit peu plus claquant qui pourrait de loin se rapprocher à une strat. Voilà, on écoute tout.